Hey, salut les amis, c'est Soudi, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. En tout cas, bah, moi, écoutez, ça va plutôt nickel. Et écoutez, aujourd'hui, j'avais prévu de faire, comme vous l'avez peut-être vu dans ce titre, j'ai prévu de vous expliquer à peu près. Donc, oui, vous voyez un peu tous mes shaders, je fais ça, je fais F3 plus D. Et voilà, vous avez plus les trucs. Enfin bref, on se voit ça combien aujourd'hui. Je ne sais plus parler, lol. On vient aujourd'hui pour vous apprendre comment utiliser et à quoi sert la commande tellRow. Oui, les amis, cette commande-là vous a peut-être attiré votre attention puisque vous ne savez pas comment ça fonctionnait. Vous ne comprenez pas. Vous. Voilà, on a le slash tel qui permet d'exécuter un message au joueur. Par exemple, je prends mon pseudo et je fais RD. Et fuck it. Voilà, c'est. Concrètement, c'est. Des messages privés. Voilà, je trouvais plus le mot. C'est des messages privés. Attendez, voilà. Et oui, je vous ai pas dit, mais la toute nouvelle. Oui, voilà. La nouvelle de cette série, c'est que vous allez me voir en FaceTime, face to face, tu vois. Hein? Non? Non? D'accord, non, non, je pars pas en fait. Voilà. Donc, le tel, c'est le message privé. Donc, ça, je pense que beaucoup d'entre vous le savez. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est le tellRow. Le tellRow, déjà, qu'est-ce que c'est cette chose? Le tellRow, c'est un tout petit peu comme. Comme le slash title. Vous vous rappelez le slash title, voilà. On s'en souvient, si vous n'avez pas vu cette vidéo, il sera au-dessus de moi dans le petit i. Voilà. Pour. En fait, oui. Donc, oui, je termine ce que je veux dire. C'est un petit peu comme le title, mais sauf que le tell row, excusez-moi, c'est dans le chat et pas sur votre écran. Oui, qu'est-ce que je veux dire par là? On va tout de suite se téléporter au tutoriel. Bien sûr, avec mes panneaux, si vous n'avez pas vu le tuto 1, comment se TP et comment mettre la couleur avec un panneau, excusez-moi, je crois que c'est le stress d'être en facecam et en jeu tout en même temps. Donc, c'est la première fois que je fais ça sur cette série. Bon, c'est peut-être le deuxième épisode, mais ça me stresse parce que je me demande comment ça va être. Je me demande comment. Je me pose plein de questions. Vous avez peut-être vu aussi, pour les gens qui regardent, j'ai changé ceci. Vous aurez cette map-là en description. N'oubliez pas ce que je vous avais dit dans l'épisode tuto 1. Je vous avais dit que toutes les maps, à chaque fois que je vais faire un truc sur cette map, ce sera toujours, mais quand je vous dis toujours, ce sera toujours en description de vidéo. Sauf si je l'oublie une petite fois, c'est pas grave. Mais généralement, je me prends une petite bloc-note sur mon deuxième écran et je note dans la partie vidéo commande bloc. Oui, parce que j'ai quelques petits textes et tout qui est plus sympathique et tout. Et vous verrez, voilà. Donc. Voilà, donc la map en description. S'il y en a que ça énerve que je vous envoie sur une page Adfly, puis après pour que ça envoie sur la page du téléchargement, c'est tout simplement une vérification de humain. Voilà, c'est pour pas que qu'on soit spoilé par des robots. Vous avez peut-être vu, j'ai changé mon skin, j'ai mis un petit bonnet de Noël parce que c'est Noël. Et bien sûr, je vous souhaite un joyeux Noël. Hop, j'ai voulu pas faire ça. Donc, pour commencer cette vidéo, on regarde le suivant et on va commencer. Donc, oui, donc pour le TP couleur sur un panneau, vous aurez aussi, je sais plus si j'ai dit, mais le petit i au-dessus de ma tête. Et ça, c'est bien. Alors, donc on passe pour le tuto 2, c'est parti. Oui, bah oui, bon, j'ai gardé mon tableau là, hein. Il n'a pas changé. Oui, je ne change pas. Hein. Là, c'est pour le TP au spawn. Je vous avais appris ça
dans le premier épisode avec quelques petits fails, mais je vais pas tout vous spoiler, excusez-moi. Vous allez voir par vous-même, les amis. Oui, par vous-même, puisque. Bah, puisque voilà quoi, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser sur le Tellro. Je n'ai encore rien fait et les enfoirés, ils ont dispawn. C'est pas grave. Je n'ai encore rien fait, mais c'est pour vous dire que déjà, la commande slash Tellro, ça marque ça, mais c'est exactement pareil. Mais là, ça marque un putain de message. Sauf que, souvenez-vous, en début de vidéo, j'avais mis un petit slash tel. Le slash tel, c'est comme un petit slash MSG qu'on peut percevoir sur les serveurs. Presque tous les serveurs, dirais-je. Parce qu'il y a quelques serveurs où le MSG, il dit non, 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 Team Fox ne va pas comme ça. Enfin bref. Mais nous, on est dans la série Command Block. Du coup, cette commande, on va la faire en Command Block. Hein. C'est tout simple, c'est tout paisible. Et c'est comme ça, voilà. Donc, on peut commencer par faire quelques petits trucs. Donc, la commande du Tellro est comme la commande du title. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous rappelle, c'est dans le i au-dessus de moi. Vous pouvez aller la voir, c'est gratuit. Ce n'est pas cher. Et ça, c'est bien. Maintenant, on va s'intéresser à la commande slash Tellro. Oui, slash Tellro, c'est juste le message qu'on met dans le chat. On peut le mettre en couleur d'origine, donc en blanc. Mais on peut le mettre aussi d'autres couleurs. On peut en mettre, je sais plus, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, ou je, à peu près. Voilà. Donc là, on va faire ce qu'on a ici. Je vous montre avec mon doigt, mais pas les couilles. Avec ma souris, c'est mieux. On a le arrobas P, arrobas R, arrobas A, arrobas E. Le arrobas E, on s'en fout. Le arrobas A, c'est tous les joueurs qu'il y a dans votre map. Le arrobas, excusez-moi, R, c'est un joueur random. Donc, par exemple, on est 24 sur le serveur, ça va piocher parmi un des 24 players sur le serveur. Et le arrobas P, c'est le joueur le plus proche de votre command block. C'est vrai que j'aurais dû vous dire ça plus tôt dans les vidéos, plus tôt dans la série, mais je vous le dis maintenant, et puis c'est que le tuto 2, et ça c'est bien. Donc, on va faire le P. Ouais. Maintenant, on va ouvrir et refermer les allocades. Je veux un truc comme ça. Et on va faire deux guillemets comme ceci, où on va marquer texte à l'intérieur. Après, on va faire deux petits points et on va continuer à mettre deux crochets et là, c'est stop. Ça, c'est que la première commande, les amis. Oui, donc je regarde souvent mon deuxième écran, c'est pas pour mon retour, c'est surtout parce que j'ai noté tout ce que je vais faire dans cette vidéo sur ce document texte. Voilà. Donc là, on peut mettre notre texte, par exemple, le bonjour. Le bonjour et mince. Et quand on clique, ça nous dit bonjour dans le chat. Et ça, c'est bien. Alors, on peut spam comme des gros noobs. Hein. Et nous, on ne veut pas spam. Nous, ce qu'on veut faire, hein, c'est tout simplement connaître cette commande et pas faire le noob sur cette commande. Donc, slash Tellro. C'est comme ça, oui, arrobase P, accolade, je crois que c'est ça, c'est accolade, guillemets, guillemets, deux points, guillemets, guillemets. Dans les premières guillemets, oui, c'est guillemets, on va marquer texte. Pourquoi texte? Parce que si vous ne mettez pas texte, vous ne pourrez pas marquer votre texte, en fait, vous ne pourrez pas marquer votre texte, votre phrase, votre mot. Si vous enlevez le texte et que vous mettrez autre chose à la place, je ne crois pas que ça fonctionne. Enfin,
sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Maintenant, on va la prendre. On va la prendre. C'est un truc de ouf, hein. Ouais. Je te comprends. Je te comprends. Je regarde juste un truc, les gars. Ok, désolé. Donc là, on va le mettre en couleur. Mais c'est moi qui me suis trompé. C'est pas là que je voulais mettre ici. C'est moi qui me suis trompé. Au lieu des deux points, vous allez mettre une virgule. Désolé. Et on va marquer color. Et là, vous allez mettre un petit incollade qu'on avait déjà mis. Incollade, guillemets. Et là, on va mettre les deux points. C'est ce que tout à l'heure, je me suis trompé avec les deux points. Qui a. Non, mais je me trompe. Les... Non, faites pas les bêtises que je suis en train de faire. On va refaire. On va marquer. Texte. Deux points. Votre texte. Donc, moi, c'est bonjour. On va refermer. On va... Et là, on va mettre la virgule. Là, on met cette fucking virgule. Donc. Après avoir mis la virgule, on va remettre les guillemets en marquant couleur. C'est pas comme ça, c'est comme ça. On va fermer la guillemets, on va mettre deux points. Et là, on va choisir votre couleur. Mais avant, on va mettre deux guillemets. Donc, tu appuies sur la touche deux fois où il y a la touche de ta guillemets. Voilà. Alors, je dis pas que ça va être sûr. Mais je vais essayer. Oui, je dis bien. Essayez de vous mettre par ici, toutes les couleurs qu'on a pour ça. On a à peu près 16, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais bien sûr, il faut pas les marquer en anglais. Il faut pas les marquer en français. Et en plus, je me trompe, c'est absolument incroyable. Swoody est incroyable. Et Swoody est incroyable. Donc là, on va mettre les couleurs en anglais. Alors, on va pas mettre le 6F, 8E, par exemple. Hein. On va vraiment mettre le mot. Je dis bien le mot en anglais. C'est pour ça que dans la description de cette vidéo, vous aurez toutes les commandes que j'ai utilisées dans cette vidéo. Et voilà. Donc la couleur, par exemple, je veux mettre le bonjour en orange. Orange, c'est gold. Voilà. Avec un D, c'est mieux. Tac, tac, tac. Et ouais, c'est bon. Donc là, vous faites done et vous cliquez. Là, c'est marqué bonjour en orange. Souvenez-vous, on avait bonjour en blanc, couleur de base. Et là, on l'a en orange. On peut le faire en noir, en vert, en bleu, en jaune, en rouge, en tout ce qu'on veut. Donc, je veux juste tester un truc, slash Taylor, parce que j'ai noté un truc, mais je me rappelle plus du tout comment on fait cette erreur. Et cette chose, donc je crois qu'on va passer ça. Je vais juste voir texte. Texte de point. Bonjour, ne marquez pas ça, je fais juste le petit test parce que, en fait, plus loin, à la place de color, j'avais marqué D5, mais je me rappelle plus ce que c'est en fait. Là, je suis tombé dans un trou de mémoire terrible parce que je l'avais prévu dans cette vidéo, mais je me rappelle vraiment plus et c'est pas du fake. Dessing. Dessing. Ah, c'est bon. C'est bon. J'ai retrouvé, j'avais noté un peu plus loin en bas. Les dessins. Qu'est-ce que c'est que les dessins? Mais bon, je me souviens, t'inquiète pas. Non, c'est pas une blague. Là, tu peux noter. Slash tel row, avant d'aspect, entre.
encore entre mes mains. Je m'en rappelle vraiment plus. Je me rappelle vraiment plus. C'est entre un collade, voilà. Non, autrement, je serais traité comme ça pendant que je me trouverais. Ça me dérange pas, moi. Non, je déconne. Entre un collade, vous avez marqué donc texte, votre texte. Après, vous fermez les guillemets, vous mettez une virgule, vous rouvrez les guillemets, et là, vous avez plusieurs dessins. Le dessin est disponible, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que le dessin? Souvenez-vous, pour les panneaux que j'avais faits, qui sont juste ici, on a par exemple un clic, et c'est pas ça qu'on voulait faire. On a ceci là, où il y a mon curseur. Mon curseur de Minecraft. Ici, ou mon curseur comme ça. Je vais voir si on le voit, mon curseur, en fait. Oui, on le voit. Merci. Tac. Donc, ici. Donc, tout ce qu'on appelle le obfuscated. Un peu compliqué, ce mot. C'est-à-dire que c'est un obscurci, ou ce qu'on peut dire un codé. C'est-à-dire que ça va afficher plein de lettres, plein de chiffres, plein de trucs aléatoires et qui va défiler très très vite, ce qui va nous faire des trucs bizarres comme ça, voilà. Et ceci, c'est dans les dessins. On n'a pas que ça, on a le bold, on a l'italique, on a le street text, strong. Excusez-moi, on a l'underline et on a le obscure state. Je sais quoi que j'aurais été les vidéos. Donc l'obscure, je sais pas quoi, donc le codé c'est celui-là. Le underline c'est souligné. Le striked gros, le striked wrong c'est barré. Et le italique c'est en italique. Et le bold c'est en gras. C'est compliqué? Ouais, je préfère, ouais. Dis pas que c'est compliqué, hein. Parce que je te jure que, autrement, je te montre la commande. De toute façon, elle est en description, gros. N'oublie pas, tout ce que je fais dans cette vidéo, c'est dans la description. N'oublie pas. Ouais, je te regarde pas derrière ton écran. Tu crois que je te vois pas, mais je te vois, hein. Pas, je te vois pas. Ok, bref. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre? Twitch, putain de macro de merde, je vais te désactiver. Je ne sais pas comment on désactive, mais je vais trouver. Alors, qu'est-ce qu'on veut mettre en dessin? Moi, je veux le mettre en souligné. On va marquer, hein. Underlined. Voilà. Oui, c'est ça. Après, vous allez faire ceci et deux points. Oui, pas un, mais deux. Vous allez rouvrir les guillemets. Les guillemets. Et là, il y aura un truc qui va s'appeler true ou false. True ou false, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire activer ou désactiver. Je vais vérifier. Hein. donc, nous. Ah non, vu que ça fonctionne. Donc, on va mettre TRUE. Il n'y avait pas besoin de guillemets. On va faire entrer et là, on va faire pouf. Et là, on fait. Ça met bonjour. Putain de merde, j'ai dit, il n'y avait pas besoin de guillemets. Il est où ce guillemets? Il est où? Hein? C'est toi le guillemets là qui me gêne? C'est toi qui me gêne dans mes vidéos. Mais tu vas plus être là, mon coco. Ben voilà, là c'est mieux. N'est-ce pas? Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Hein. Moi, je veux... ceci, avec une couleur. Donc, ce qu'on va faire... Oui, parce qu'on va faire un truc. Ok? T'es content? On va faire un truc. On va marquer color. O-R. Apostrophe, j'oublie mes mots. Guillemets, voilà. Faire une guillemets, on va faire deux points. Et là, on va choisir la couleur. Donc, moi, je veux
du rouge foncé. Donc je veux du rouge foncé. Hop, on va marquer Dark Red. Dark Red, et on va fermer les guillemets et on va mettre une virgule. Oui, parce que la virgule, c'est obligé. On va remettre une guillemets, ce qui nous fait une commande un tout petit peu plus longue déjà, si tu as remarqué. On a l'underline, donc on a le souligné. Donc là, il est en rouge foncé. Donc au lieu d'être bonjour, attends, il y a avec ma souris, c'est mieux. Au lieu d'être bonjour en blanc, donc en normal, il va être en rouge foncé. Et c'est ce qu'on veut. Et donc là, normalement, on a fini. Non, on n'a pas fini parce que j'ai oublié un truc. Non, je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié la guillemets ici. Voilà. Et pouf! Bonjour! Non? C'est bien ce que je me disais. Maintenant, on va faire, ou plutôt on va tester un truc. Ce que j'ai fait, c'est pour prendre le command block. En fait, si on clique dedans, on a la commande. Comment j'ai fait ça, tu te dis? Regarde. J'ai plus rien dans mon inventaire. T'appuies sur ta touche contrôle. Et t'appuies sur ta touche, sur ton clic molette. T'as un command block tout neuf, tout frais, tout pourri. Tu le poses. T'as la commande dedans. Si t'es pas sûr d'avoir la commande, tu cliques sur E et tu regardes ton command block. Normalement, tu as un plus NBT. La prochaine fois, je prends pas cette voix parce que elle est trop nulle. Maintenant, ce que j'ai prévu de faire, c'est des actions du putaclic. Non, je déconne. Ce sera comment NTB. Moi, je veux une couleur avec un texte. Ça. Du coup, on va prendre le dernier. On va le coller. Et on va le mettre à la suite. Hein, et alors dedans on a donc toujours la même commande les gars. Ce qu'on va ajouter, on va aller jusqu'à la fin. Déjà le on va se mettre avant le l'accolade. Ouvercule. Ok, c'est bon. Donc voilà, on va se mettre devant, avant l'accolade. Et par exemple, je veux tuer un creeper. La violence. On va mettre et clic ici pour tuer les creepers. Voilà, donc là j'ai mis mon texte. Hein. Voilà, au lieu de bonjour, j'ai remplacé par ce texte-là. En couleur rouge foncé, souligné, et donc là on va ouvrir une accolade.
On va mettre, vous vous rappelez, sur le panneau, je vais mettre un click event. Ben là, on va faire exactement pareil. Underline true. Donc, underline true, il me faut true. Une virgule. Et un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'il me faut d'autre? C'est bon. Donc là, on va faire deux guillemets. On va marquer action. Action. Entre guillemets. Après, on va mettre deux points. On va ouvrir une guillemets. On va mettre run commande important à écrire comme ça. Sans le E. T'as vu? Je t'ai fait une petite feinte. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Je suis là alors. Donc, après ça, on va faire ceci. Le petit apostrophe. Je me rappelle plus du nom, voilà. Avec une virgule où on va rouvrir la guillemets. T'as vu, je m'en souvenais. Putain. Et on va mettre value. Value. Et on va faire guillemets, deux points guillemets. Là, on va mettre la commande. Donc, si là, je mets kill arrobase pardon. On va tuk tuk tuk. On va sélectionner le type égal creeper. Virgule C1, C égale 1. Faites bien ce que je fais. On va fermer le crochet. Ici, on va mettre ceci et un accolade. Un accolade fermé, bien sûr. Et je crois que c'est tout. Tu peux. Oui, normalement, c'est bon. J'avais juste mis le texte autre avec un petit A. Bah écoutez, je vais faire montrer. Donc pour tuer un creeper, clique sur ce panneau. J'ai écrit mon texte en aqua, en couleur aqua. J'ai fait un souligné en activé avec un click event d'un action run command d'une value de slash kill. Dans ce monde, tous les types qui s'appellent Creeper, qu'un C égale 1. Et voilà, ça fonctionne. Je ne vois pas pourquoi ça n'avait pas fonctionné, pourtant j'avais fait exactement pareil. Donc là-dedans, au début, j'avais mis des Creepers. Donc voilà. Donc là, si je clique sur le texte, pouf. Voilà. Donc value égale 1, on peut changer. Value égale 1. Le C est égal à 1. Je crois que c'est ça si je mets 2 par exemple. Hop. Ouais. Hop, voilà. Pouf. Pouf. Voilà. Donc en fait, si vous n'avez pas compris le C, hein. Le C qu'il y a ici. Le C égale à tel chiffre, c'est tout simplement
combien de creepers tu veux tuer, combien de zombies tu veux tuer, combien de blaze tu veux tuer, plusieurs trucs comme ça, les poteaux. C'est pas très compliqué les commandes, faut juste s'y intéresser, et si vous vous y intéressez, vous allez comprendre très vite. C'est pour ça que j'ai décidé, ce n'est pas encore très très sûr, c'est pas encore dans mon projet actuellement, mais je pense, je dis bien je pense, faire une map making ou des maps mini-jeux en full command block, c'est-à-dire, bon, pas les blocs, on va pas poser les blocs en command block, hein, les blocs on va les poser à la main, mais par exemple, pour le TP avec les panneaux, on va le faire en command block, plein de trucs en command block, sérieusement, pour vos serveurs Minecraft, je sais que pour les petits PC, c'est pas cool les command blocks, mais sérieusement, moi, ça va, j'ai un assez bon PC, vous pouvez voir ma config juste ici. En fait, vous pouvez pas la voir, mais si je fais ça, et que je fais ça, vous pouvez actuellement la voir, elle est juste au-dessus de moi. C'est ma config, c'est assez peu, je vous le dire. Ma config, c'est tout simplement CPU 4X Intel Air, je dis tout dans le détail, tu vois, Intel Core i5 6400 CPU arrobase 2,70 GHz. J'ai un display de 1920x1017, voilà, un Nvidia Corporation avec une GeForce GTX 745. PCI EESSE2 en 4.5.0, Nvidia et quelques petits chips derrière, voilà. Mais normalement avec un petit plus, avec un peu plus petit, ça ne devrait pas laguer. Mais sérieusement les potos, pour votre serveur, pourquoi pas, je vous dis, c'est juste comme ça, mais pourquoi pas tester un serveur full command block, sérieusement. On peut faire mais des putain de truc au lieu d'installer des plugins ou des plein de trucs comme ça. En plus les plugins je trouve c'est pas ouf parce qu'il faut faire plein de trucs, il faut coder, voilà, là t'as pas besoin de coder, t'as juste à rentrer une putain de commande qui te sauve, par exemple je prends un exemple tout con. Si tu fais avec un test fort où ça détecte les players, tac, ton player il joint la game et là tu peux lui mettre un petit texte et c'est pratique. Genre bienvenue sur, par exemple on va dire une bêtise, moi comme j'aime bien les pandas, bienvenue sur Panda World, bienvenue, voilà. C'est tout con, c'est tout simple. Mais si vous voulez plus de commandes les potos, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez des commandes pour votre serveur, n'hésitez pas à me le dire. Mais sérieusement, au lieu d'installer des plugins qui vous gonflent votre PC, qui vous stocke ça dans votre PC, qui. Voilà quoi, c'est pas très ouf. Parce que tout simplement, vous niquez votre disque dur pour des plugins, sérieusement. Voilà. Moi, après, bon, je vous dis ça parce que je suis fan du command block, hein, certes, mais voilà quoi. Alors, par contre, je vais juste faire un truc. Je vais juste reprendre mon panneau, hop, et je vais le mettre ici. Ah, tu te demandes comment j'ai fait? C'est pareil, c'est avec le NBT. Donc, contrôle-clic sur le panneau quand vous avez une commande, un slash TP ou autre. Donc, voilà. Non, mais en parlant plus sérieusement, les potos, essayez au moins une fois ça sur votre serveur. En full command block, les gars. Comment dire? Et je vais juste baisser un petit peu la cam. Je vous demande pas de faire des trucs énormes non plus. Hein, je vous demande juste de tester au moins une fois. Et vous allez voir, ça va être mieux. Alors, juste pour le nombre de connectés. Ouais, mais comment tu veux savoir les nombres de connectés sur le serveur et tout ça? Bon, après, t'as le tab. Hein. Moi ça marche pas, je suis en solo. Mais pour le nombre de connectés, c'est simple. Il suffit juste de rentrer
une commande dans le scoreboard. Et c'est tout aussi simple, les potos. Il y a rien de plus simple, en fait. C'est... La commande... C'est juste tu... T'as deux commandes à faire. Et après, t'as juste à joindre la team. Mais... C'est assez simple, en fait. Mais franchement... Pourquoi pas vous essayer. Ça peut être sympa, franchement. Je vous le dis, ça peut être vraiment sympa. Et franchement, essayez, parce que c'est cool, voilà. Bon, bah, je crois que j'ai un petit peu parlé pour le serveur. Pour votre serveur, plutôt. Donc voilà, mais franchement, testez un petit peu. Pour voir si ça vous convient. Après, si ça vous convient pas, et bien écoutez, moi je garde votre avis. Hein, c'est votre avis, c'est vous qui voyez. C'est pas moi, hein. Moi personnellement, c'est pas mon problème. Mais franchement, juste essayez au moins une fois. Si ça vous plaît pas, les command blocks, si vous comprenez pas, au command blocks, ce n'est pas grave, les photos. C'est vraiment, vraiment pas grave du tout. Puisque il faut juste me demander en commentaire. Quelle commande voudriez-vous savoir? Oui, parce qu'il faut, pour que je fasse une vidéo, avoir votre retour. Pendant les vidéos que j'ai tournées sur la série, j'ai pas eu du tout de réponse. Enfin, je ne crois pas là. Genre tel qu'au premier épisode, et j'ai pas eu de commentaires, je crois pas. Voilà, zéro commentaire, les potos. Je vous avais dévoilé cette série il y a maintenant 4 semaines. Il y a eu 6 vues, les potos. Mais dans ces 6 vues, il y en a pas un, les potos, qui a laissé un commentaire. Sérieusement, c'est pas la honte, sérieusement. Après, bon, ça se trouve, vous connaissez déjà. Hein, ça se trouve vous connaissez déjà, c'est bien pour vous ça, c'est totalement bien pour vous, mais voilà quoi, enfin, si vous voulez vous... Plus du tout, les couleurs avec un panneau. Désolé. Si vous voulez vous y intéresser, franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que déjà, moi ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà quoi. Donc là, je vous mets un petit truc pour vous dire, pour vous montrer en fait qu'il n'y a vraiment pas eu de commentaires. Là, il y en a eu 0. Et sur l'autre, ma présentation de ma nouvelle série Command Block, il y a eu exactement 6 vues. Il y a eu un pouce bleu que je remercie encore. Mais il y a eu 0 commentaires. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un pouce bleu. Là aussi, il y a un pouce bleu, donc je vous remercie. Ça fait plaisir en fait de revoir vos pouces bleus, sérieusement. Ça fait extrêmement plaisir. Mais c'est pour vous dire, les potos, que si vous avez un truc à dire en commentaire, n'hésitez pas. Mais même que ça soit critique, les potos, je m'en fous. Le truc, c'est constructif, c'est tout ce qui me va. Après, voilà quoi, c'est un petit peu plus dur parce que je fais pas trop de vidéos en ce moment. Mais justement, les potos, si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur cette série, par exemple, si vous l'aimez bien, cette série, envoyez-moi des commentaires avec ce que vous voulez apprendre. Et moi, je peux vous faire tout. Ou presque. En tant que nos commandes, je suis pas non plus un expert là-dedans. Et voilà, quoi. Mais... on parle pas de ça, on parle de vous et de moi. Mais en commentaire, n'hésitez vraiment pas, en fait, vraiment. Et ça me montrera au moins que j'ai un soutien et tout ça. Et je vais pas vous casser la tête plus que ça, hein, parce qu'on parle depuis à peu près 10 minutes, je crois, je ne sais pas du tout. Moi, je vais arrêter la vidéo là, faut que je fasse un montage maintenant. Bah voilà. Et ouais.
Bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et critique ou constructive, ou pas, ou voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ce qui te ferait plaisir et ce qui avancerait la chaîne. Tu vas voir, tu auras une petite image, je pense, par là, excuse-moi. C'est inversé, mon retour est inversé par rapport à moi, tu vois. Non, tu vois pas. En fait, toi, tu me vois comme ça, mais moi, mon retour, je me vois comme ça. Oui, moi, je te tourne le dos, oui, tout. On s'en fout, voilà. Oui, on s'en fout. Donc voilà, n'hésite pas à partager. Attends, vous voyez pas ma main. Donc, n'hésite pas à partager, à commenter, à laisser un pouce bleu. Voilà. Et puis, ben, nous, on se dit à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. J'ai rien d'autre à dire, c'est un truc de ouf. Allez, ciao, ciao.